mbe ni salama kumanyi na mbea munda mbe ni salama kumanyi na mbea National pour la défense de la Constitution. Cher leader du Front National pour la défense de la Constitution. Cher membre et sympathisant du Front National pour la défense de la Constitution. Chers camarades et compagnons de vie citoyenne pour la Constitution. Mesdames et messieurs, je commence mon intervention à m'incliner pieusement devant la mémoire de tous les camarades et compagnons de tous citoyens de la FNDC qui sont tombés sous les balles des ennemis de la République. Que leur âme repose en paix. Aujourd'hui, 7 novembre 2019, à l'instar du jeudi passé 24 novembre et celui du lundi 14 octobre 2019. Voilà des jours qui sont rentrés à jamais dans l'histoire de notre pays, dans l'esprit de la défense de la Constitution. Aussi loin que je porte mon regard à la Guinée dans sa globalité, dans sa fierté, dans sa responsabilité, dans son entièreté, mais aussi dans sa diversité sociale. Mes chers camarades, vous venez encore de montrer à travers cette mobilisation sans précédent que le peuple guinéen n'est pas prêt à accepter cette imposture de trop venant du pouvoir de M. Alphen André. Au nom de cette mobilisation, au nom du peuple souverain de Guinée, je demande à M. Alpha Condé de libérer les camarades du FNDC. Je dis également à M. Alpha Condé que la place de mon camarade, c'est que pour nous, n'est pas à la maison centrale, mais sa place est ici, pour aider le pays à émerger. À votre nom, je dis à M. Alpha Condé de libérer mon camarade, Ibrahim Diallo, sa place n'est pas à la maison centrale, mais sa place est ici, pour aider le pays à progresser. Monsieur Alpha Condé, de libérer notre grand artiste, Alpha Souma Bindé. Sa place n'est pas en prison, sa place est ici, dans la société, afin d'aider la Guinée à progresser. A votre nom, je dis également à Monsieur Alpha Condé, de libérer Élie Kamano. Pas en prison, sa place est dans la société pour aider le pays à avancer. Encore à votre nom, je dis à M. Alpha Condé de libérer le jeune Nerva de la commune. Sa place n'est pas en prison, mais sa place est ici, dans la société, pour aider le pays à avancer. Je continue en disant
amuser un vacolé de libérer. Baille, amen. Baille, mais sa place n'est pas en prison. Sa place est en train de dire que le pays a progressé. Je continue, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Je demande, s'il vous plaît, à votre nom, peuple de Guinée, je demande à mes chers abonnés de libérer, prendre tête. Sa place n'est pas à la maison centrale, mais sa place est ici, parmi nous, à côté de notre pays avancé. À votre nom, je dis à monsieur Alpha Condé, d'être respecteur de nos textes de loi. À votre nom, je demande à M. Alpha Condé de renoncer à ce projet machiavélique, dangereux, belliqueux, la finesse de troisième guerre. Ce combat est le combat de la survie de notre démocratie. Arrive au cerf, le combat de notre propre survie. C'est pourquoi nous allons continuer à mener ce combat jusqu'à la victoire finale. Je ne serai pas sans vous donner de nouveaux programmes, de notre série de manifestations, lancées depuis le lundi, 14 octobre 2019. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers compatriotes, nous allons nous préparer pour le prochain programme de notre manifestation qui sera le jeudi 14 novembre 2019. Cette fois-ci, nous allons commencer au niveau Carrefour, rond-point jusqu'au palais. De nos autorités communales, à l'endroit du ministère de gouvernement de la Président, dans les associations qui viennent de voir, ne peut pas se contenir ainsi constat. C'est pourquoi, dès le jeudi prochain, nous serons sur l'esplanade du Palais du Peuple, encore une fois, pour marquer notre opposition face à ce grand défilé de troisième mandat. Je vous remercie. Aucun usager de la route, on a traversé une zone où il y avait beaucoup de parcs, beaucoup de magasins, des milliers de projets. Rien n'a été fait. Tout le monde a été protégé. Je vous demande de continuer avec la même économie, avec la même discipline, avec même, le même sens de responsabilité. Je voudrais rappeler que le nombre total de morts suite à la manifestation, c'est de 16 personnes. 16 personnes. En incluant les trois, c'était 13, maintenant c'est 16 personnes. Donc un à Marana, dans Farana,